dirait ça. Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Ben oui, Gaétan, j'ai déjà travaillé avec Gérard Depardieu. Avant, c'était Gérard 1, il était seul. Après, 2x2, 3x3, puis aujourd'hui, c'est 5x5. Ah, mon Dieu! Essaye pas de le rentrer dans le 3x3, lui. Ah! Mais au début, c'était extraordinaire. Dites-lui que je l'aime, un film de Claude Miller. Flamboyant, à la mesure de son extravagance, son jeu était... Comme des, tu connais les pâtes, mais je connais des empâtés. Ouais, mais nomme pas de nom parce que je sais que le public attend. Il se fait une liste. Ce qu'il veut, c'est amener l'animateur en cours. En cours d'école, ben pourquoi pas. Moi, je sais jouer à des beaux jeux extérieurs, oui. Comme au yo-yo. Au yo-yo, ça joue aussi à l'intérieur. Ah non, mais moi, c'est parce que je le tire trop haut. Puis, je le balance dans les nuages. Et puis, quand il s'accroche dans l'arc-en-ciel, eh, monsieur, c'est plus du yo-yo, ça, là. C'est du ho-ho. Ah oui, c'est vrai. Entre le yo-yo et le ho-ho. Oh, c'est mon yo-yo. Ils ont dit, oui, le public vient de l'entendre. Là. C'est pas très bon de placer la colle avant. Avant, ben, il faut que tu boives de l'eau ou une boisson quelconque pour que ça puisse se diluer dans la bouche. Sinon, ça fait collant. Bon, on sait que pendant toute ta vie, tu as été collant. Ben, oh, non, ben, c'est comme Gérard 2x2. Moi, j'ai commencé par autocollant. OK. Dans le dos. Oh, voilà. Et tout le monde voulait vérifier si j'étais vraiment très, très imprégné par cette colle. Et puis, il y en a du monde qui m'ont suivi. Ah, oh, moi, j'avais même pas besoin de dire « En vérité, je vous l'ai dit, ou mes chers frères, mes sœurs, mes demoiselles, mes yeux ne tombaient pas, restaient ancrés dans ma lunette. Au prix que je les ai payés, c'est un tabac. Non, mais je vais revenir contre l'occupation de ces verres. Ces verres, mais pas les verres de terre, les verres que tu places au niveau du nez. Oh! Non, mais la nature est quand même bien faite, hein? Parce que sinon, à quoi ça sert un nez comme ça, là? Une devanture, comme disait Cyrano de Boscan. Philippe de Boscan. Vous avez une devanture, là, là. Vous avez un pif gadget, là. Où est le gadget? À l'intérieur des deux narines. Oh, mon Dieu! Et c'est quoi? C'est du renouveau! Coupons le poil, cherchons la well, tirons la poêle. Car les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faut de temps pour saisir le bonheur. Mais là, le temps pour saisir le bonheur. Faut se coucher tôt. Puis il faut se lever de bonheur pour le voir passer. Parce qu'il s'annonce pas, il y a le bonheur, il dit pas. Moi, là, M. Grenier, oui. Je serai à votre porte à 2h15. Ben, du matin, êtes-vous malade? Je rentre des bars à 3h15. Moi, à 2h, je suis même pas présent. Puis même quand je pénètre dans mon établissement, je ne suis pas présent. Je n'ai jamais été présent de ma vie. Je veux rien savoir de ça. Brouilleur, brouilleuse, péteur, méteux, non, et œuvre et brouillard. Voyons donc. Allez, René. Ah oui, c'est ombre et brouillard. C'est l'histoire de ma vie. Ça peut pas être autre chose. Alain René m'a connu avant ma naissance, lui. Ah oui, parce que c'est la voix d'Alain. Dites là. Alain,
vous êtes dans l'académie? Vous êtes monsieur René? René. Je renais de mes cendres à chaque instant, moi. Je termine une phrase et je sens déjà la reventure, la varlope qui me galope à travers les cheveux. Puis là, il y en a là. Ah, il y en a du cheveu là-dedans. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est, y a comme un court-circuit nerveux qui part du SM58. Pour les initiés, vous comprendrez. Y a-t-il des initiés dans la salle? Initiés dans quelle initiation? Oh! Là, je parle pas des affaires comme... je parle pas de ça, moi, là. Je parle initié. Pardon, français. On va ouvrir la porte. Raymond, ouvre la porte. Il n'y en a pas. Ouvre-la quand même. La porte de l'imaginaire n'a qu'un grelet. Un grelet. Et quand tu vas l'ouvrir, ça fera un grelot. Oh, monsieur, un grelot pour deux? Non, un toto pour un. Un toto. Moi, j'arrive en toto. Je repars en toto. Je suis un toto. Un dodo plutôt toto. Et un dodo. R2-dodo. Parlant de mon pays, je vous entends parler. Et j'en ai danse aux pieds. Quand même intéressant, là. Là, dans un déguilon, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'en ai danse aux pieds et musique aux oreilles. Et du loin au plus loin, de ce neigeux désert où vous vous entendez à jeter des villages. J'ai acheté 3 villages. Dans ce village, il y avait du ravage. Toutes les vaches avaient mangé du ballonné jusqu'au premier. Que faire lorsqu'à la fin, du mois, arrivera le chant d'oiseau qui voudra trouver la graine qui sommeillera dans ce gazon? C'est gazon. Moi, c'est gazon. Plus il y en a, plus c'est du gazon. Moi, il y en a, c'est du gazon. Ah oui, ben là, ici, il y a un petit peu de gazo là, qui se cache derrière le buisson. Là. Il y a la quenouille, la fenouille, la nenouille, la menouille, la nenouille. Il y a une rangée de nouilles, une rangée de quenouilles. Et si vous tombez derrière ça, ben, vous êtes aussi nouilles que les rangées de la rangée de nouilles. Hein? Rangée. Ouais, il faut ranger ses affaires. Là, on cherche. Combien de temps j'ai cherché le mot ouvrir, moi, là avant de savoir que c'était. Pour prendre la poignée de porte, elle est là, la poignée de porte. La tournée, Roger Tournier, non c'est tournée, un œuf tourné, bacon, laitue, mayonnaise, jambon, pam. Mais non, moi j'aime ça, pas de bacon, j'aime pas ça le bacon. J'adore le cochon, mais pas le bacon. Ça, c'est une partie du cochon, le bacon. C'est en dessous du pied. C'est la chamelle. Ben voyons donc, je n'ai jamais su ça, mais non. Ça, on veut garder ça secret. Faut laisser dormir le peuple. Le jour où il va se réveiller, ça va être la révolution. Quoiqu'à un moment donné, là, il y a quelques mois, presque un an, là, on veut la grève. Ça, c'était les petits-enfants, là. Les adultes, on dit, qu'est-ce qu'ils font là? On veut la grève, qu'est-ce que c'est ça? En 68, on comprenait pourquoi, là. Hein? On était sclérosés à cette époque, sclérosés, on ne savait rien. On nous avait endormis par la religion. On disait, le petit Dieu te regarde. Non, où ça? Dieu est partout. Où ça? Partout. C'est où ça? C'est partout. La radio est où? Est partout. Les ondes sont où? Sont partout. Le soleil rayonne où? Il rayonne partout. Sauf derrière un gros arbre. Ah, d'un pommier. Moi, je me suis assommé 3 fois. Moi. En fait, je me suis fait assommer parce que lui, il savait pas l'innocent. Un arbre, comment c'est végétatif. Hein? Gna, 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 ça pousse. Gna, gna. Oui, je fais le pommier qui pousse. Là. Gna, gna. Le premier pommier. C'était devant Ève. Pas une innocente, elle-là, là, même si, hein? Non. Même si sa première, là, dit, qu'est-ce que c'est ça? Je savais pas, c'est une nouvelle. Première affaire, ça, sa planète, c'est cette fille-là. Ève. Pas trop brillant, là. Et puis, en plus, t'es une défricheuse, là. Mais qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est quoi, ça? C'est une voix de l'au-delà. C'est vous, l'au-delà? C'est moi, l'au-delà. OK. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un arbre. Oh! Comment vous appelez ça? Un arbre. Oui, mais comment vous appelez ça? Oh, attendez, là. La grammaire n'existe pas encore, mais
A, première lettre de l'alphabet. On va commencer par A, parce que le A sera la première lettre de l'alphabet. Ah, voyons donc, oui, oui. A. Ah, parce que les gens seront allergiques plus tard, là, dans plusieurs années. On va polluer. Prends-toi-en pas. La terre va péter. On va polluer. On va s'avoir du plaisir, là. Jetez vos papiers par terre. C'est le début du monde. Faites-en de la cochonnerie. Mouchez-vous par terre. Puis, oh, ça va s'autogénérer. Oh. Je suis prêt, moi, détruisons. Alors là, c'est ça, A pour A. Achum. Plus tard, ils seront. On va. Un autre mot que nous réinventerons, c'est allergie. Première lettre encore. Allergie. Arbre, allergie. Achum. Parce que l'arbre va amener des branches. Ce que tu vois là en haut, là, c'est tout. On vient de planter ça. En fait, ma main, là, c'est moi et Dieu, là, la main, il est plantée. Même chanson qui est arrivée là-dessus, j'ai planté un chemin, c'est le pommier. J'ai planté un pommier. Le premier pommier. Premier pommier va se trouver à Québec. Premier endroit que nous allons situer sur la planète, là, la Terre. On va faire une boule, on va tirer, elle va s'aplatir. Ouais, bah, il va en avoir de l'eau, mais le premier endroit pas d'eau, là, ce sera Québec. Hey, voyons, on m'a jamais. Non, je sais, vous savez jamais rien. On ne veut pas non plus rien vous divulguer avant que vous soyez prêts. Là, maintenant, vous l'êtes. Mais non, je sors de la douche. Ben, c'est ça. Dégoûté. Oh, c'est ça, je suis dégoûté par ma connaissance. Endormi. Oh, les professeurs m'ont endormi. Ben oui. T'avais-tu le goût de faire les révolutions, là, avant que tu saches ça? Non. Maintenant, je suis très fier de mon pays. Parce que je les entends jaser sur les perrons des portes et de chaque côté, des clairons, des clôtures. Et je les entends chanter dans ma demi-saison, dans les trop courts étés et les hivers si longs. Je les entends rêver dans les soirs de doutant. Il est question de vent et de gréement, d'aboutir et finir, d'espoir et de récolte, d'amour et de voisin qui veut marier sa fille. Ève, je vous présente Ève, un gars, là. Il y a qu'elle est à l'envers. Monsieur. Son intelligence se situe plus bas que le menton, encore plus bas que le nombril, là. La demi-jante, juste là. Ça, c'est toute son intelligence. Là. Puis une petite intelligence, mais qui va aller loin dans la vie, lui, là. Vas-y. Là, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une fille. Eh bien, non, on n'a pas fait n'importe quoi, là. On t'a fabriqué, là, la plus belle des créatures, là. Oh. Et puis là, pendant jusqu'à, 2030, 2040, là, tout va tourner autour de la femme, de la fille. Tout va tourner autour d'elle. Les gars, tu sais, puis tout l'environnement, les idéaux, puis on va t'en faire flamboyer de l'imaginaire là-dessus, moi. Ah! Plus tard, on va appeler ça des vidéoclips, des petites chansons, des petites filles qui dansent. Le rat and bee, le beep and rap, le rap and pop et le banap rap. Hein? Ça a bien l'air que c'est ça. Et tranquillement, mon cher numéro 1, tu vas apprendre que Eve va vouloir avoir un petit enfant. Un petit tutu, il va commencer à zéro dans son ventre, puis à 9, il va sortir. Pas 9 jours, 9 mois. Ah! Ça va se travailler dans ce ventre-là. Oh! Puis le reste de l'histoire, t'as connais, voyons donc, toi. Sinon, mais fais-toi l'expliquer, là. Allez sur mon site commentçafonctionne.com. Puis si vous le savez pas, ben envoyez-moi un courriel et j'irai vous le montrer. Il n'y a pas de problème. À la bienvenue à la douce réalité. On s'est embarqué dans quelque chose, là. Oh. À l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme rénal de l'Enéant gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de gagné. Aujourd'hui, ça passe vite. Mais ça passe pas plus vite qu'hier. Oh, ça passe vite. Mais avant-hier, ça passe vite!
tout passe vite. C'est pas vrai. C'est vrai, je vous le dis, monsieur, voyons. C'est pas vrai. Ben, si vous saviez pas, je vous l'apprends, là. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Ça sera jamais vrai. Tout ce qui nous... On se fait balancer, c'est du faux. Puis là, mais le plus difficile là-dedans, là, c'est de négocier, de séparer. C'est comme le blanc de la couleur. Là, hein? Se séparer pour faire un lavage, je parle. Ouais, non, faut, là, je vais recevoir des courriels. Une émission gauchiste ici. Là. Le vrai du faux, hein? Est-ce que c'est peut-être vrai? C'est pas vrai. Ben oui. C'est vrai. L'éternuement vient d'un relâchement cérébral. Ah, mon dieu, j'en ai souvent, moi. Ah, apéchoum, ça s'arrête plus. Et c'est comme ça que je me sens vivant, moi. Quand il y a un chaos à tous les niveaux. Pas de chaos, pas de vie. Hey, mais mon existence est chaotique. Ah. Oh. C'est comme les rues de la ville de Québec. Oh! Il n'y a rien de lisse, hein? Si vous passez par chez nous, là, par chez nous, vous allez voir qu'il n'y a rien à voir, tout à examiner. Vous marchez à quatre pattes. Ah oui, il y a une bosse. Ah, mon Dieu, c'est un creux. Un nid de poule. Ah, mon Dieu, un œuf de poule. Un coq. Ah non! Là, ils vont tous vous envahir, puis ils vont aller vous chercher. Comme ça, eux autres. Les gens se demandent comment ça se crée des trous comme ça. On va vous le dire. Vous êtes prêts, hein, le 26 juillet, d'apprendre ça? Là? C'est en bas. Ils tirent vers le bas. La croûte terrestre, là. Il y a du monde en dessous de la croûte. Là, ça tire, puis là, ça fait des trous. Puis là, quelquefois, là, quand vous regardez, vous êtes à quatre pattes, là, vous dites, ah, bon, c'est cru. Puis, il y a une main qui peut venir vous chercher pour vous rentrer dans le noyau. Il va vous prendre pour une guimauve, puis là, vous allez brûler. Là. Oh, ils vont manger. Hein? C'est la version rock'n'roll des contes des frères Grimm. Ils ont peur, ils ont fait peur à Dieu. Vous aimeriez ça que je vous dise que c'est pas vrai, hein? Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, le vendredi 26 juillet 2013, l'errance, ça va bien, Renal? Ça va très bien. Même il y a monsieur, c'est pas vrai, qui est là. C'est pas vrai. Oui, monsieur. Est-ce que vous saviez que vous appuyez, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Ah, oui. Ils n'ont pas ça, le voile. Lui, là, dans un scrutin, là. Ce serait le premier qu'il faudrait sortir. La police? Parce qu'on a un individu ici, là, qui se promène partout dans le gymnase, puis il dit... C'est pas vrai. Ouais, je pense qu'il va poser des bombes un peu partout, à gauche puis à droite, puis surtout vers le haut puis vers le bas, parce qu'il sait même pas où il est. Il se dirige pas, lui. Là. C'est comme une boussole, mais sans nord. Il a perdu le nord. Lui, le plan nord, là, c'est... C'est pas vrai. C'est ça. Alors, le 26 juillet 2000... Si vous voulez arriver, police, pour que ça arrive plus vite, là. Une petite soirée après, là, entre nous autres, hein? Amener 3-4 policières, puis on a une grosse piscine de jello. On va filmer ça, on va mettre ça sur YouTube. Vendredi 26 juillet 2013, l'errance, les errances rénadiennes présentent plus de route pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes. Oh, lâche ton gun! Oh, monsieur! Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est le monsieur. Le monsieur? Ben, qui a dit lâcher mon gun. Le gun? Quel gun? Le fusil. Oh, le fusil! Pourquoi? Pauline? Allô, Pauline? Oui. J'espère que je vous repaye pas. Oui. Je vous repaye pas? Oui. Non, je vous repaye plus, moi, là. Non, je vous réveille pas, j'espère? Oui. Oui, OK. Pauline, c'est Rénal. Oui. Vous connaissez l'émission Errance Rénadienne? Oui. Vous l'écoutez depuis... Oui. Bon. Là, je peux pas faire de montage et il y a un personnage qui a dit le mot « gun ». Oui. Comment ça me coûte, moi, là? Parce que ça vient pas de moi, ça vient d'un de mes personnages. Oui. Ben, écoute, un unicellulaire, là, un gars qui... Qui a voté. C'est qui ça? C'est un nouveau vote. C'est la censure. Qui veut revoter encore. Moi, Pauline, là. Oui. Toi, puis moi, là.
Allô? Oui. C'est pour la vie, OK? Tu savais? Oui. Tu, hein, tutoie-moi déjà là, on est direct, là, hein? On peut pas se cacher des affaires entre nous, là. Je suis membre de votre club. Oui. Êtes-vous membre de CKRL, vous? Oui. Ah, merveilleux. Je sais que vous avez une collègue aussi qui est merveilleuse, elle aussi. J'ai rencontré il y a 3 ans. J'étais en dessous de la table. Oui. Ouais, encore une fois, ben je sais. Fait que Mme Marouet... Mme Pauline, on va oublier ça, là. Oui. Il n'a pas voulu dire gun, là, là. Oui. Ah ouais, tu as commencé ce monde-là, hein? Oui. Bon. Ben, je vais y amener des messages sublirénales, puis la prochaine fois, là. Oui. Il va voter pour vous, OK? Oui. Parfait. Allez vous recoucher, puis je vous aime. Oui. Hey. Non, 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 non. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Non, 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 non. Oui, monsieur, on est prêt. Apaisons la dure réalité. Fais-moi chauffer un bain, Gaétan, fais-moi chauffer un bain. Apaisons la dure réalité. Un bain chaud. Chaud, excusez-moi. Qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un atmosphère... Unissons-nous autour de la comédienne Salima Butbal. Elle obtient un premier prix d'art dramatique à l'unanimité au Conservatoire régional d'Orléans. Elle rencontre des comédiens et comédiennes un peu partout pendant sa carrière et créa le cabaret Cici Nono. Cici Nono. Cici Nono, Wallo, Wendy, Sayon. Si, non, non, c'est mais non, ouais, ouais. Hey, même le caloukou, c'est pas, il suit pas. Hey, c'est pas un caloukou, c'est un bololo. C'est un bololo, difficile. Au théâtre, elle travaille entre autres avec Cécile Barquès, avec qui elle a fait une pièce extraordinaire que j'ai vue. King Kong Theory en 2012. La metteur en scène Cécile Barquès retrouve enfin Salima Butchal. Excuse-moi, bout de balle, excuse-moi. Salima, tu peux me fouetter. Oh, j'aime ça. Vas-y encore. Oh, encore une fois. Oh, on dirait que c'est de l'air. Non, non, c'est un fouet. Et puis donc, elle la rencontre avec ce travail incroyable qu'ils ont fait. Une solo, ce solo performance. Blondie peroxydée, moulant ses formes rondes sous une nuisette coquine. La comédienne porte le texte en musique avec une ironie matinée de candeur provocatrice, provocante. Et c'est un texte de... Je vais vous souffler. Virginie Despentes. Qui? Virginie Despentes. Virginie Despentes? Ben oui, Virginie Despentes. Celle qui a fait Baise-moi, le film Baise-moi. Excellent film, excellente œuvre. Une des comédiennes s'est malheureusement suicidée. Personne n'est pas... En 2012, le metteur, bon, on le dit, en juillet 2012, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques et extraordinaires. Vraiment humaniste. J'ai eu un plaisir fou. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et entendre la musique? Oui! Alors, place aux mots, place au lyrisme renaldien, place à l'envoûtement, et laissons-nous devant la zizique. CKRL, cultive tes goûts.